Salut tout le monde, c'est Tanipou. Alors aujourd'hui, je pose une vidéo parce que j'ai acheté la PS5 avec Call of Duty Cold War. Puis on va ouvrir ça sur vidéo ensemble. Ça va pas être évident à une main. On va enlever le petit écu ici. Oh, c'était quand même assez facile. Ok, ça s'ouvre assez facilement, un petit écu. Ouais. Ok. Voilà, c'est, ouais, ça sort. Oh, c'est pas évident ça. Oh, j'ai un peu déchiré la boîte. Désolé. J'essaie de voir ce que je filme en même temps, mais avec mon casque, c'est pas évident. Donc, on a la boîte. Et rien de spécial. Comme c'est une boîte blanche, on va s'entendre là-dessus. On va l'ouvrir ici. Ok. Oh, j'ai out. J'ai out, j'ai out, j'ai out, j'ai out, j'ai out. Donc, selon l'image, la poignée va être vers le haut. Ok. Oh, j'ai hâte. Ah oui, puis vous pouvez être sûr que il y a un live ou une vidéo qui sort sur, sur la PS5 tout à l'heure. Ok, donc on commence. On a le manuel habituel, le guide de sécurité. Mais c'est pas mal le même sur chaque console, fait qu'on va s'entendre que c'est pas mal. Oh, j'ai hâte de la déballer. La nouvelle DualSense de PlayStation. Le petit câble. Ça m'étonne, il est quand même petit. Genre, je m'attendais à quelque chose de plus gros, là. Vous avez la PS5, ok. Est huge. Ben, d'après les photos, hein. J'ai jamais vu en vraie vie encore. Le Quick Start Guide. Mon Dieu. Oh, mon Dieu. C'est quoi qu'on a d'autre là-dedans? On a le câble pour la manette. Et c'est quoi? C'est un USB-C. Ouais! Plus de difficulté avec les fils de manette. Ah oui, le stand. Oui, parce que la PS5 vient avec le stand. Et un HDMI spécial juste pour la PS5 parce que avec ma nouvelle télévision, je vais pouvoir profiter de toutes les nouveautés de la PS5. Wouhou! Ok, je suis un peu trop heureux. Ok. Là, ça va être délicat. On sort la PS5 tranquillement. 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 Pow! À peine. Ça serait pas drôle. Ok. Je vais essayer de focus un peu. Je sais pas pourquoi ma caméra a décidé que. Ok. Oh, wow. Ok. Ça s'enlève ultra facilement, les petites affaires du côté. Je trouve qu'ils sont pas mal cheap. Mais, en même temps, ça veut pas dire qu'ils ont de l'air cheap, mais comme qu'ils filent mou pis tout, qu'ils protègent pas. Oh là là. Oh là là. Il va falloir que je tourne de bord. Le papier est fini ici. Wow, 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 wow. Okay. La PS5, mesdames et messieurs. C'est incroyable. Oh, wow. C'est incroyable. Oh, oui, j'ai pas mis la version avec CD parce que ça va prendre moins de place avec des CD pis tout. Bouton Power puis Eject. Ah, coucou. On me voit dans la réflexion. Ok. Ben, là, on va installer le pied. Ma petite manette de PS4 dans le background. Ok, j'ai enlevé le petit spot pour les vis. J'ai essayé de le faire fitter de bout à côté de ma TV, mais ma nouvelle télé prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place sur mon meuble à faire. Il faudrait que je le mette d'accroche, mais ça va me prendre une nouvelle vis. En tout cas. Le pire, c'est que j'ai reçu ma nouvelle télé il y a 2 jours, puis je sais qu'elle va être compatible avec la PS5, fait que vraiment là, ça a été une semaine de malade. C'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de vidéos, en fait non, j'ai pas fait de live pendant toute cette semaine. Puis c'est majoritairement à cause de ça. Je me préparais pour la PS5, puis wow. Puis j'ai recevé ma nouvelle télé, il fallait que je paramètre tout. Donc, je vais déposer le téléphone 2 secondes, parce qu'il faut que je tourne. Ah, oh, en fait, il se fait une main. Ok. Fait qu'en dessous là, il y a une vis, comme vous pouvez le voir. Cette vis là... Là, je trouve ça... C'est vraiment stupide. Bon, elle passe au focus super facilement à ma caméra. Il faut que je tire, je pense. Ah, il y a un tir. Ok, je l'ai sorti. Belle petite vis. C'est tellement cute. Ok, là... Genre, j'ai déjà écouté les vidéos de comment qu'on place ça, là. Fait. Ouais, je me suis renseigné toute la semaine. Ça va être un peu compliqué à une main. Ah oui, il faut...
Je vais faire. Oh là là. Oui, non, je peux pas le refermer. Ok, c'est bon. C'est quoi? Je vais mettre la vidéo en pause, je vais mettre le stand vite fait parce qu'à une main, c'est pas possible. Donc, me voilà, j'ai installé le beau petit pied. C'est pas recommandé de. Il y a des beaux petits détails si jamais ça veut focus. Ils ont mis beaucoup de détails sur la PS5. C'est la luminosité. Bon, vous savez quoi? Ça marche pas. C'est pas plus grave. En tout cas, si j'avais une meilleure caméra, j'aurais pu vous le montrer, là. Mais tout le frame à l'intérieur ici, c'est tout texturé. L'extérieur est très smooth. Ils ont gravé à l'intérieur le signe des PlayStation. J'aime vraiment pas le focus de ma caméra en ce moment. Le pire, c'est que c'est pas une mauvaise caméra, là. Donc c'est ça, la PS5. Je vais remettre ça sur pause. Je vais l'installer sur ma télévision, puis on va l'allumer ensemble. Je reviens. Oh là là, je sais que ça a pris 3 secondes, mais je viens d'oublier. Je me rappelais que j'ai oublié d'ouvrir la manette. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh wow, 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 wow. Je suis désolé, là, mais comme. Wow. Oh. Oh, les joysticks, ça file bien. Les boutons sont incroyables. J'ai vraiment hâte d'essayer les nouveaux triggers. Ça a l'air qu'ils sont spéciales. Ah, oh, j'ai hâte de l'allumer. Wow. Un micro intégré. Comme ça, ceux qui ont une PS5, il n'y a plus d'excuses. Ah. Vous avez toujours un micro, à cette heure. Oh, wow. Oh, wow, je suis impressionné. Là, parce que la caméra s'est défocus sur un point, puis j'aime pas ça. Ouais, c'est incroyable. Ah, oh, j'ai hâte. C'est que ça fait beau ensemble. Ah, oh, mon Dieu. Maudit que ça fait beau. Ah. Ok, on va partir ça. La PS5 est tout simplement gigantesque. C'est pas une petite TV que j'ai là. C'est une 55 pouces. Fait que. Elle est vraiment huge. Oh my god. Je vais pogner ma manette. Je vais faire mon cable management après elle. J'attendais un peu avec ma nouvelle TV. C'est pour ça que j'ai des morceaux de PS4 qui étaient un peu partout. J'attendais d'avoir la PS5 pour faire mon cable management. Donc, on va allumer la télévision. Là, ça va être les émissions Samsung qui vont jouer, fait que ça va être un peu weird. That's it? That's horrible. Ok, on va aller sur HDMI 2. Ok. Donc, on allume la PS5 pour la première fois. Oh, wow, les lumières sur le top, c'est incroyable. Je regarde depuis la partie de la caméra depuis tout à l'heure, mais là, je vais regarder la TV parce que ça va être incroyable. À savoir que la PS5, elle s'allume comme qu'elle va s'allumer là, une fois à vie. Ah non, 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 non. Ok, j'ai eu peur. J'étais comme, non, faut pas que je le manque. Je suis comme, non. Techniquement, je l'ai en partie manqué, je pense. Ah non. Ah non. De toute façon, je l'ai déjà vu. Mais si vous voulez voir par vous-même comment casser l'homme pour la première fois, là, je vous conseille de peut-être aller voir sur YouTube. Il y a plein de vidéos qui le montrent. C'est pour ça que je suis pas plus triste que ça, puis je l'ai payé en joke un peu parce que j'ai déjà vu. Ok. Donc, on plug la télécommande. Le fil, il est long, mais je m'attendais un peu à mieux. Comme. Connect your controller to the console with the USB cable and press the PS button. Ok, là je l'allume. J'allume la télécommande. Elle est fucking belle. Je suis désolé pour le langage. Select your language. Moi je suis français. On va y aller avec français, Canada. Canada. Continuez avec le lecteur d'écran activé. Ok, ok. Ah, j'aime pas la voix. J'aime pas la voix pantoute. Oh, mais configurer tellement belle la PS5. Waouh! Sélectionnez un réseau Wi-Fi ou branchez un câble LAN sur votre PS5. Vous savez quoi? Pour la connexion Internet, je vais couper ça. Mais oui, mon nom est là. J'aime pas tout le fait qu'elle répète absolument tout ce qui se passe. J'aime pas ça. Régler la zone d'affichage. Très, très gossant. Les cercles doivent remplir l'écran sans que l'on voit les bordures noires. Si les cercles sont troqués ou si vous voyez les bordures noires, appuyez sur les touches haut et bas pour régler la zone d'affichage.
Sélectionnez la touche OK pour ignorer l'ajustement. Je peux pas l'agrandir plus que ça, mais il y a. Je pense qu'il y a un inch sur le bord de la TV pour qui. Pour agrandir l'image de votre écran, appuyez je sur la touche. Je peux pas l'agrandir plus, ça va être avec la TV, voilà que je fais. Réglez la HDR 1, 2, 3. Réglez les paramètres HDR, imagerie à grande gamme dynamique de la PS5 pour optimiser la qualité vidéo de votre. Quasiment invisible. Okay. Appuyez sur les touches haut et bas pour régler la luminosité jusqu'à rendre le symbole quasiment invisible. Sélectionnez la touche suivante pour régler. Et voilà. Réglez la HDR 2, 2, 3. Réglez ces paramètres une deuxième fois. Appuyez sur les touches rotées. Et voilà. Réglez la HDR 3 de 3. Une dernière fois. Appuyez sur les touches. Insérez un disque de 2. Ah, oui. Ok, je vais mettre ça sur pause. Je vais mettre le CD de Call of Duty. Ok, là j'ai mis le son de la TV en mute parce que... Mon Dieu que c'est gossant! Oh là là! J'aime bien la PS5. À date, j'aime la PS5. Là, en gros, ça me demande de mettre un CD pour qu'il puisse installer le jeu en attendant. Mais je voulais quand même ouvrir... le jeu Call of Duty avec vous autres. Fait qu'on va l'ouvrir vite fait. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça doit être des restants. De Doritos. Pardonnez-moi. Ce tapis-là, il remange tout. Donc, Call of Duty Cold War. On a le jeu Call of Duty Warzone. C'est-tu parce qu'il y en a un nouveau? Pas de code. Une chance. Imaginez, j'aurais mis ça sur caméra, moi. Donc, on va prendre le CD. Ah, c'est vraiment beau. J'aime les nouveaux CD. Ils sont pas beaucoup différents de celui de la PS4, mais j'aime ça. Le blanc, j'aime bien. Je trouve qu'ils sont moins bleus que les CD de PS4. Boop. Ok, je vais mettre ça sur pause, je mets CD, puis on en revient. Ok, j'ai mis CD. Là... je vais enlever le mute. Je vais prendre la manette. Option d'alimentation pour le mode repos. Contrôlez les fonctionnalités actives et la consommation électrique de votre expérience optimisée. Consommation d'électricité réduite. Touche. Appuyez sur la. Ah, je suis good, comme ça, je vais pouvoir télécharger mes agents si jamais. Du logiciel System Plex, j'accepte. Là, habituellement, il faut le lire, mais je suis déjà au courant de ces affaires-là, OK? Je me suis vraiment mettre renseigné beaucoup sur PS5 avant système. De l'acheter. Mettez à jour le logiciel. Déjà? Pour utiliser les fonctionnalités déjà mis à jour. De votre PS5. OK, ben on va le faire, mise à jour, vite fait. Mise à jour du logiciel System. Merci de déjà? Patienter. Mise à jour du logiciel système. Oh! Tu sais ça? Pour ceux qui vont acheter une PS5 bientôt, là. Pas beaucoup, là. C'est vraiment pas beaucoup. Mais là, il est en train de télécharger Cold War en même temps, fait que ça va prendre un peu de temps. Habituellement, 77 secondes, c'est ce que ça me prend sur la PS4 pour télécharger 3 gigs. Fait que. Bon, je vais vous mettre ça sur pause, je vais éviter le charabia. Bon! Là, tout devrait être fait. Ça a pris du temps. Il a fallu que je me connecte. Il a fallu que je fasse une mise à jour pour la manette. Là, on a ma phase de pète. Là, viens pas me dire qu'il y a une mise à jour à faire parce que je te dis, je retourne au magasin. Oh my. Je suis plus capable. Il a fallu que je coupe le son. Vous avez sûrement remarqué, il n'y a plus de son sur la TV. Non, je suis plus capable. Il va falloir que je désactive ça. Elle est en train de dire absolument à voix haute tout. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ouais, c'est good. Collecte de données. D'abord qu'il transfère pas les photos de la caméra, mais je vais être good. Ouais, non, c'est good. Je suis d'accord à ce que ça reste connecté. Je pense pas qu'elle va sortir de chez nous. version en deux étapes. C'est bien sûr. Ah, guimauve. Ok, je mets ça sur pause. Bon. Là, tout devrait être beau. Là. Tout devrait être beau. Hey, je suis tanné. Télécharger l'un de vos jeux. Ah, let's go. Ils veulent que je télécharge parce que j'ai le dernier jeu que j'ai joué sur ma PS4, c'était Fortnite. Ils vont le télécharger. Hey, j'ai aucun problème avec ça. J'ai pas besoin d'Apple TV. Pas besoin de ça. Le reste, tout est good. On va avoir des téléchargements, c'est ouais.
Transfert de données depuis votre PS4. Va falloir que je la connecte. Ah! Ah! Ok, juste besoin d'allumer un PS4. Ok, ben je vais l'allumer. Ok. Recherche de votre PS4 en cours. Ah non, mais je vais juste l'allumer. Ouais. Ok, on va attendre un petit 30 secondes. Je vais vous épargner ça, là, je vais mettre ça sur... Donc, là, il me demande que je touche sur le bouton d'alimentation de la PS4 pendant une seconde jusqu'à ce qu'elle émette un beep. Ok. Ah, ok, et voilà. Wow, ça n'a pas pris de temps. Ok, mais là, elle est censée se mettre en veille, là. Je sais pas ce qui se passe du côté de ma PS4, là. Elle est connectée, l'écran a changé 30 secondes pendant que j'avais mis ce pause. Ça fait stylé! Ouais, je vais avoir beaucoup de montage à faire, là. Ça va être comme 4 fois que la vidéo lâche. Ah! Ah! Suis-je en train de mourir? Oh, peut-être! Maman. Toutes les données transférables. Ben oui, je veux toutes les données transférables. Yes, monsieur. T'as estimé 8 minutes. Ok, mais on va faire ça. Le mieux que je vais faire, c'est... Oh! Oh! 8 minutes? Tu me l'es-tu 8 minutes, là? Ça fait déjà 42%. Pas 8 minutes. Alors, c'est préparation du transfert. Oh là là. On va attendre un peu, voir ce que ça va donner. J'ai une bonne, très bonne connexion Internet, fait que peut-être que ça va prendre moins de temps que prévu. Là, j'ai mes chats, là, qui jouent avec... Mais bon, qu'ils sont capables de trouver. Ok, ça va être 8 minutes sur 92% ou... C'est ça, ben, c'est 8 minutes là-dessus. Ok, ben, je vais pas vous faire attendre 45 minutes sur une vidéo pour rien. Fait qu'en attendant, je vais mettre ça sur pause. Une petite update, là, il est en train de faire le transfert. Là, ça a l'air de prendre du temps. 7%. Wow, ok, les chats ont fait tomber leur mère au chat. Je vous dis, là, c'est des chats, c'est incroyable, ces chats-là. Des fois, en plein milieu de la nuit, tu vas entendre BOUM! C'est parce qu'ils ont fait tomber leur mère au chat. Peut-être qu'il y a un moment donné, je vais faire. Je vais les mettre dans une petite vidéo là, pour vous montrer si la demande est forte. Parce que j'ai hâte de faire mon cable management parce que c'est le bordel à l'arrière. Et mon temps de switch est là. Et ma PS4 a besoin de se faire dépoussiérer. Et le beau petit sticker qu'il y avait en arrière sur la boîte de PS5. Yay! Mon Blu-ray qui a la petite portière de péter. Mais okay, il marche super bien, Greg. Ça se peut. Ok. Là... On est quasiment fini. Jeu contenu multimédia, je pense que c'est soit que ça l'a grandi pour dire que, genre, on est dans la dernière étape, soit qu'il reste une dernière étape toute petite. Mais, probablement fort à parier que c'est... On est sur la dernière étape pour la faire démarrer, parce que là, j'ai hâte! Je suis tanné. Mais, fallait que je m'y attende. C'était de même avec la PS4 quand je l'ai pogné, il y avait des mises à jour, c'est long. C'est probablement... De ce que j'ai entendu à date, la Xbox 2, ils ont... C'est assez long. Ils montent pas dans les vidéos parce que... Ben, parce que c'est long. Je suis le seul qui fait ça, je pense. Je suis seul, la seule patate qui vous force à écouter ça. Ah ben non, y a rien à forcer, là. Vous pouvez skipper le tout, là. Peut-être 2, 30... Je vais bientôt couper, fait que peut-être skipper 30 secondes, puis vous allez voir la PS5 en action. Ça en pose des choses, là. On en revient sur une vidéo. J'ai finalement fait le transfert. Mon téléphone a lâché en route, c'est merveilleux. Ok, on baise sur la touche PS. Ah, mon Dieu, c'est beau. Mais là, j'aime pas ça. Configuration terminée. Bienvenue sur votre PlayStation 5. Là, j'espère qu'elle va arrêter de parler. Je suis tanné. Fortnite. Dani Leblanc. Ah oh, oui. Recherche. Paramètres. Oh mon dieu, j'ai bien aimé ça. Oh j'ai adoré le Fortnite. Oh c'est incroyable, oh j'ai adoré. Appuyez sur la 3 pour sélectionner. Ok, fait que ça... Sortie audio. Touche. Volume. Non, ça risque pas d'être là. Non mais ce que je suis vraiment... Système. J'aime pas ça le fait que genre... Utilisateurs et comptes. Donne notre... Genre, capture je suis pas... Genre, je peux comprendre le fait qu'ils veulent mettre ça au départ, mais ça devrait être une option et non pas quelque chose qui est comme... Caméra. Touche.
J'aime pas ça le fait que ce soit genre système. Imposé, le fait que genre elle lise tout qu'est-ce qui se passe. J'aime pas ça pour partout. C'est de la parce qu'à cause du langage que j'ai choisi. Appuyez sur les touches rotées. Langue non. De la console. Langue d'intérieur. Lecture. Gestion. Navigation. Logiciel. Information de la console. Touche. Appuyez sur la croix pour sélectionner. Je vais filmer en même temps parce que comme ça, vous allez pouvoir savoir où aller. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas en tête. Accessibilité. Lecteur d'écran. Activez le lecteur. Oh! Oh, thank God. Hey, j'étais allé. C'est peut-être quelque chose que j'ai activé, là, mais j'espère pas. Bon. Aïe, aïe. Ça ressemble un peu à la PS4, mais en même temps, ça y ressemble pas. PlayStation Plus. C'est vrai, il y a plein de jeux gratuits pour les membres de PlayStation Plus. Oh wow, quand je me décute. Ben ça, je l'avais déjà. Les jeux que j'ai achetés, c'est marqué. Puis comme Second Son, je l'ai. Until Dawn, je l'ai. Bloodborne, je l'ai. Last of Us, le premier. Wow. J'aime. Ah, il y a bien des jeux que j'ai hâte de... Hey, non, Resident Evil, je l'avais. Je sais pas pourquoi c'est marqué que c'était inclus. Je l'avais. Ok, ça c'est good. Ah, j'aime ça. Il y a des bons jeux, là. J'ai hâte d'essayer Final Fantasy, j'ai jamais joué. Ah, Call of Duty Cold War, il est prêt à jouer. Le jeu gratuit du mois. On peut même pogner ceux de PS4. Oh, wow, les graphiques, par exemple. J'ai... Wow. Wow. Ça paraît-tu pas assez que c'est de la 4K qui sort de cet écran-là? Wow. Ah, oh, j'ai hâte. J'ai hâte de faire des vidéos puis des lives parce que avec la PS5, les lives, ben peut-être pas les lives, ça je sais pas encore, mais les vidéos sont tous en 4K. Tous. Bon. Ah j'aime ça, j'aime. Oh, toute ma bibliothèque est ici. Pourquoi un 4D? Ok, ouais, ça je pensais, je what the fudge? Un 4D, va t'en faire un 4D. Comme vous pouvez voir, les jeux VR sont aussi disponibles. C'est parce que je vais avoir un adapteur pour ma VR. Puis je vais m'inscrire pour la recevoir. C'est gratuit pour les détenteurs de VR. Si vous rentrez le code de votre VR, vous pouvez la recevoir gratuitement. En tout cas, je pense que tous mes jeux m'ont suivi. Ouais, tous mes jeux m'ont suivi, je pense. Ouais. Bon, mais c'est le fun. Ça dit que j'ai toutes mes Assassin's Creed. Ils sont pas en ordre, par exemple. Ah, ils sont sûrement en ordre que je les ai achetés. Ouais, tiré par le plus récent. Ok. En tout cas, j'ai hâte. PS4. Ils vont bientôt sortir une update pour GTA. Pour les détenteurs d'une PS5, les 3 premiers mois, vous allez la recevoir gratuitement si vous avez déjà GTA. Puis là, j'ai hâte. Ah, s'il vous plaît. Ah, Fortnite, c'est encore en téléchargement. File d'attente. Pourquoi file d'attente? Y'a-t-il une manière que je peux télécharger de suite? Transfert de données. 5 heures! 5 heures! Pis 100 gigs! Pis juste Call of Duty, c'est 100 gigs tout seul! Pour Warzone pis Cold War! Je dis. Oh, c'est là. Wow! Ah, yo, c'est pas à soir que je joue à Fortnite. Ah, yo, 6 minutes pour Cold War, par exemple. Fait que je vais pouvoir jouer à Cold War. Ah, non, mais pas. La version 1.cuc, en bas. Ah, ça veut dire que... Bah, ok, 13 minutes, c'est bon, là. Puis là, j'imagine qu'à la seconde où ces deux-là vont être téléchargés, ça va être Fortnite qui va commencer. Puis après ça, ben, mes données vont être transférées plus rapidement. Est-ce que je peux mettre ça sur pause? Annuler et supprimer, je peux pas. Ok, ben, c'est pas grave. Je suis plus sûr si je veux transférer mes données de PS4 parce que c'est beaucoup là, puis la PS5 a pas. Vous savez, ma PS4 Pro, elle avait 1 TB plus un disque dur de 2 TB, ce qui me faisait comme 4 TB. Wouhou! Calcul, Dani. Ce qui me faisait 3 TB au total. Fait que j'avais de la place, mais si vous regardez le stockage de la PS5. Euh...
est déjà quasiment à moitié prix, là. Ça me fait mal. C'est quoi autre? Ça me fait mal. Ow. Stockage étendu. Utiliser un lecteur USB formaté en tant que... Oh, ok. Oh, ok. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Hey, j'ai eu peur. Je pensais que mon disque dur, je pouvais pas le transférer. C'est good d'abord, parce que toutes mes données de PS5, je vais pouvoir les transférer sur ma... toutes mes données de PS4, je vais pouvoir les mettre sur ma PS5 avec mon disque dur de PS4. Qui est juste en bas là, on le voit, c'est une petite, petite affaire-là, là, 2 TB. C'est pas pire. Comme ça, je vais juste avoir mes jeux de PS5 sur ma PS5. Ils vont loader un peu moins rapidement, parce que la PS5, la manière qu'elle fonctionne, c'est que... elle a un disque dur intégré, c'est pas quelque chose externe qu'on va pouvoir changer avec le temps, c'est quelque chose qu'on va pouvoir ajouter par exemple. Mais pour l'instant, ça vaut pas la peine d'acheter des disques durs, ils vont être trop chers. Fait que ça me tentait pas. Je suis même pas sûr qu'ils en vendent à date des extensions pour la PS5. Fait que, encore là. Là, le Playroom Astro, il est déjà téléchargé. Fait que je vais pouvoir y jouer avec vous autres sur vidéo ou live. Ou sinon je l'ai fait tout seul. C'est pour tout tester qu'est-ce que la manette a à offrir. Donc le nouveau micro, le speaker, les nouveaux triggers, la nouvelle vibration aussi. Il y a une nouvelle vibration qui rend ça plus réaliste. Donc j'ai très hâte de tout essayer. Je me rends compte maintenant que le son de ma télévision est très très fort. Et ben j'espère que vous avez aimé la vidéo. On a ouvert la PS5 ensemble. On a exploré un peu la PS5, pour ceux qui vont peut-être faire la même erreur que moi, puis mettre le lecteur, la lecture d'écran, vous savez maintenant comment la désactiver. Si jamais vous voulez checker sur mon channel les nouvelles vidéos que je sors, les anciennes que j'ai sorties, sont pas toutes mauvaises. je fais souvent des lives, je vais recommencer mes lives, là, ça devrait pas prendre de temps. Je sais pas si je vais en faire en fin de semaine, mais la semaine prochaine, je vais en faire garantie. Donc... sur ce, j'espère vous revoir dans mes prochaines vidéos et live. Abonnez-vous pour pas manquer les futures vidéos de la PS5. Activez la petite cloche pour faire sûr de pouvoir les écouter à la seconde que ça sort. Et je vous dis à la prochaine.